Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les quêtes RuneScape. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête Conte de fées 2 Sauver la reine en temps réel. Pour accomplir cette quête, il faudra avoir terminé la quête Conte de fées 1 Rien ne pousse. Il faudra aussi un niveau de 49 en agriculture, 57 en herboristerie et 40 en larcin. Vous aurez aussi besoin du bâton de Dramen et d'une fiole d'eau. Vous aurez aussi à vaincre quelques Gorak de niveau 74. Pour faire un petit résumé de la quête, un complot semble avoir lieu à Xanaris. La reine des fées et plusieurs de ses sujets manquent à l'appel. De plus, le parrain des fées aurait dû bien longtemps abdiquer au trône. Votre objectif sera de lever le voile sur ce mystère. Pour commencer la quête, il faudra parler à Martin, le maître jardinier au marché de Draenor. Sélectionnez la deuxième option. Acceptez la quête. Attendez 5 minutes, puis reparlez-lui de nouveau par la suite. Sélectionnez la deuxième option. Allez à la maison de la fée morale. Elle se trouve au nord-ouest de Xanaris. Entrez dans la maison et récupérez le certificat de sur le sol. Examinez le certificat. Lisez le panneau du temple de runes au sud de l'hôtel cosmique. Parlez au parrain des fées.
Sélectionnez la première option. La première. Encore la première. Parlez à la coordinatrice juste au nord. Sélectionnez la deuxième option. Parlez à la fée bricoleuse près du cercle de fées. Équipez votre bâtard de Draymen si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le cercle de fées et allez entrer le code A, I et R. Retournez au cercle de fées pour faire le code D, L et R. Refaites le prochain code qui est le D, J et Q. Faites le dernier code qui est le A, G et S. Allez parler à la fée morale au nord. Allez voler le parrain des fées pour avoir le sécateur magique. Il se peut que ça prenne plusieurs tentatives. Retournez parler à la fée morale dans la cachette de la résistance.
retenu dans un cercle de fées et utilisait le code CKP. Attendez 2 minutes pour que les étoiles de mer poussent et cueillez-le par la suite. Assurez-vous d'avoir l'armure nécessaire pour combattre un ou plusieurs Gorak, puis retournez dans un cercle des fées pour utiliser le code D, I et R. Tuez les Gorak jusqu'à ce que vous obteniez des griffes de Gorak. Retournez en lieu sûr. Broyez la griffe de Gorak. Utilisez la fleur d'étoile sur la fiole d'eau. Utilisez la poudre de Gorak sur la fiole. Retournez à la cachette de la résistance en équipant votre bâton de Dramen. Il faudra refaire le code précédent. Un moyen simple est simplement de cliquer sur l'historique de téléportation. Parlez à la fée morale. Utilisez la potion sur la reine des fées qui est couchée sur un lit. Parlez à la reine des fées. Félicitations, vous avez terminé la quête Conte de Fées 2, ce qui vous donne 2 points de quête, une lame de 2500 XP, 3500 XP en herboristerie, 2500 XP en larcin, l'accès au réseau de téléportation de cercle de fées, l'accès au QG de la résistance, la possibilité de fabriquer des potions d'essence magique et de clés de la chasse au trésor. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains guides RuneScape et bien sûr de mettre un like, ça aide grandement au soutien de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!